Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 102 de notre aventure 100% sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait récupéré plein de lunes dans ce fameux pays de lune. Je crois qu'on en avait récupéré 10 au total, vu qu'on était arrêté à 7 dans l'épisode 100. Du coup, ben, on en avait récupéré 10. Aujourd'hui, on avait même récupéré 11 parce qu'on était dans le pays de Bowser. Aujourd'hui, on va avancer dans ce pays parce qu'il nous manque quand même 20 lunes à récupérer. Parce que, évidemment, il y a une lune qu'on ne peut pas récupérer à l'heure actuelle. Donc, du coup, il nous manque 20 lunes à avoir. Et du coup, ben, on s'était arrêté vers ici. Donc, du coup, ben, écoutez, on va finir d'explorer un petit peu cet îlot. Comme d'habitude, après, on fera les îles, enfin, les îlots ici. Et après, on partira ici. On tentera de faire un petit peu tout. Sachant qu'au cas où, on est à 16 pièces violettes, enfin, fragments d'étoiles sur 50. Je sais, j'en vois, mais ça a l'air très peu pour le moment. Alors, j'espère me tromper, mais je trouve que c'est peu pour ce qu'on a exploré. Donc, bon. On verra où ça nous amène. J'espère que l'épisode 101 vous aura plu. En tout cas, nous on poursuit. J'ai pas eu du coup le retour de Tom pour le pays de sable, mais je pense que ce sera pas tardé. Et du coup, écoutez, aujourd'hui on va continuer. On va continuer tout simplement. Déjà, il y a l'Atlantic Tag 2 ici. Donc on va continuer. Hein. De toute façon, on est là pour ça. Là-bas, je crois qu'il y avait la lune, mais je préfère largement péter ça parce qu'il me faut les pièces, il me faut des pièces. Du coup, bah écoutez. Alors déjà, est-ce qu'il y a un truc ici? Y a rien. Y a rien ici. Ok, donc du coup, l'Atlantic Tac 2, j'imagine. D'accord. Ok. C'est bon, on l'a. On l'a, facile. Vous gagnez une lune pays de la lune Atlantic Tac 2. Yes! Du coup, on va attendre que ça dépop. Comme ça, on a capi. Voilà. On va pouvoir récupérer les pièces violettes. Les fragments d'étoiles pour les intimes. Ok, alors là-bas, il y a un coffre. Pourquoi il y a ce pilier ici? Il sert à quoi, honnêtement, ce pilier? Il sert à rien. On est d'accord, hein? Ouais, il sert à rien, en fait. Bizarre. Alors, du coup. Bah écoutez, on va continuer, hein, on va continuer, on va finir d'explorer cet îlot, sachant que, regardez, ça a l'air grand ici, hein, ça a l'air grand, donc bon, on va continuer d'explorer. D'accord, j'ai compris pourquoi il y a ça. En fait, je me demande si c'est pas... Non mais non, ça serait trop loin. Ça serait trop loin. Alors du coup... Y a rien ici, y a rien. Bon, bah écoutez. Ok. Alors là, j'imagine que ça sera. Ah, bah si, y a un truc vert. Donc peut-être y a un truc à regarder, mais je sais pas où. Par contre, ici, ça me semble bizarre. Ah, parce que c'est peut-être pour passer de l'autre côté, oui. Logique. Logique. Par contre, honnêtement, c'est bizarre ça. Ça pue le truc au milieu. Ah, bah attendez. Aïe, ta mère. Aïe, putain! Ok. Ok. On peut pas le décaler ce machin pour le moment. Alors, il y a deux possibilités de chemin. Bon, on ira explorer l'îlot, comme j'ai dit en dernier. Donc, on va aller finir d'explorer ici. Parce que ici, ben, il faut continuer à explorer. Sachant que, regardez, il y a une lune ici. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout comment la récupérer. Alors là, je sais pas du tout comment on la récupère, celle-là. Elle a l'air ultra haute. Donc, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bon, ici, il y a déjà la note de musique qu'on va activer. Ok, déjà. Ok. Et oui, les amis. Bon, en fait, c'était facile. Cette note de musique, elle était très très facile, dites-moi. Et on gagne une lune, vous gagnez une lune, course aux notes sur le sol lunaire. Ouais. Bon, moi, ça c'est fait. Ça, c'est nickel. Ensuite. Ok, y a rien du tout.
Ok. Alors par contre, la lune, alors qui est là, je sais pas comment la récupérer, les gens. Je pense peut-être qu'il y a un bloc qui permet de monter sur un autre bloc, comme on avait fait à côté de l'Odyssée là-bas. La lune qu'on voit normalement à côté de l'Odyssée. Bon, on la voit pas d'ici. Je pense que c'est ça. Ou pas. Ah, bizarre. Ou peut-être c'est à côté. Non, y a rien. Y a rien du tout. Étrange ça, hein. Comment tu fais la récupérer, toi? C'est ultra haut? Ou alors, c'est peut-être qu'il y aura un Drake. Un Fire Drake. Ouais, il y aura sûrement un Fire Drake, peut-être, pour la récupérer. On va la laisser de côté pour le moment, hein. On va la laisser de côté. Peut-être qu'il y aura un Fire Drake qui nous permettra de la récupérer. Donc, écoutez, bah. Écoutez. On va, en tout cas, prendre ça. Oh là là. Et boum. Oh là 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 là. Que c'est stylé ce machin, mais que c'est stylé putain. Eh hé hé, regardez, pièce violette. Bon, on a 23 sur 20 sur 50, presque la moitié. Et ok. Vous gagnez une lune dans le coffre de la falaise. En fait, ça m'inquiète un peu parce que j'en vois pas des masses en fait. Certes, il y en a 6 là-bas, 3 là-bas, ça fait 9. Donc ça fait, on est à combien, 23, ça fait 32. À part dans, dans la grotte, peut-être, ou dans les Dark World, même pour le moment, je n'ai pas réellement trouvé de Dark World du pays de la Lune. Donc, bon. Honnêtement, ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Hein. Ça m'inquiète un tout petit peu cette histoire. Honnêtement, je sais pas quoi penser. Hop. Bon, par contre, toi, je suis désolé, mon gars. On est en train de te défoncer. Yes! Bien. Putain, c'est très très beau ici. Waouh, c'est très très beau. C'est très très beau. Et c'est pas une lune là-bas? Ce jeu est vraiment rempli. Hein. Ce jeu est vraiment. Y a pas à se plaindre. Une lune? Pas du tout. Pas du tout. Alors du coup, peut-être là-dedans alors. Ça me semble bizarre. Ok. Bon, en tout cas, ici, c'est bien. Il y a beaucoup de pièces aussi. Bon, il n'y en a pas autant que le pays de Bowser, je trouve, mais il y en a quand même. Ok. Alors, j'imagine que là-dedans, il y a il y a des pièces en bagaille. Ouais, il y a des pièces en bagaille, j'imagine. Ok. Il y a des pièces en bagaille, c'est bien ce que j'avais pensé. Wow! Ah, on peut aller directement en haut? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, ok. Là-bas, on ira voir le truc vert tout à l'heure. On va aller là, ici, d'abord, pour commencer. Enfin, les choses proprement. Salutations aux voyageurs, à toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses? Car j'ai des questions. Aux voyageurs, comment s'appellent les fleurs que tu as offertes à la mariée? Oh putain, j'en ai aucune idée. Non, les toxiques piranhas, non. Pyro piranha, j'imagine pas. Des propulseurs ou des charpettes. Charperettes. Des charperettes. Non, d'accord. J'ai perdu. Oui, 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 oui. Donc des propulseurs. Voilà, ok. Oh, colporteur de bonnes réponses. De bonnes réponses. Avance car le passage t'est ouvert. T'es sérieux là? Non, mais mec, donne-moi une lune quand même. As-tu encore des réponses aux voyageurs? Pour ma part, il me reste des questions. Lequel de ces animaux n'a jamais été aperçu dans les parages? Oh, alors, le chien, non. Le mouton, j'imagine. La grenouille, le lapin. J'ai même pas vu de grenouille. Ah, le lapin, oui. Ok, À votre avis, la lune, on va peut-être pouvoir la récupérer avec le grenouille. Genre, il y a une grenouille ici? Parce que le mouton... Mais on en a pas vu, C'est plus logique d'avoir vu une grenouille ici, vu qu'il parlait de grenouille lunaire. Ah oui, il y a une grenouille lunaire ici. On va peut-être pouvoir les prendre. Donc du coup, les moutons, ça semble logique. Oui, d'accord, bah du coup, il y a bien... C'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer l'autre lune. Oui, c'est exact. Tes paroles exhalent le prodige, voyageur. Allez.
Je suis tout disposé à te poser une troisième question, voyageur. Quel genre de rochers sont ces blocs cubiques tombés dans les différents pays du monde? Des rochers lunaires. Des rochers solaires, des rochers de feu, des rochers d'eau. C'est mignon, mais ça pourrait être. Impressionnant, trois bonnes réponses, et pas des moindres. Tu es décidément plein de ressources, ô voyageur. Bien, ben je vois d'ici une réponse dans tes yeux. Figure-toi que j'ai justement une question. Où se situe l'entrée secrète de la salle des fêtes? Quoi? Oh, je sais pas du tout. Où se situe l'entrée secrète de la salle des fêtes? Sous la cloche? D'accord, j'ai répondu au hasard, hein. C'est exact, mais le savais-tu vraiment? C'est que ce n'est pas facile de monter jusqu'à cette cloche. Ha! Tu as fait semblant de savoir, tu as deviné, avoue, espèce de devineur. Oh, quel pot de colle! Bon, finissons-en. Prépare ta dernière réponse, devineur. Comment suis-je venu jusqu'ici? Attendez, c'est. En flottant, sifflant, en te téléphonant. Ben, normal, en sifflant, non, en te téléportant, peut-être. En flottant, peut-être, en battant des ailes, peut-être, en fait, en flottant. Pendant des ailes, en battant des ailes. Comment suis-je venu jusqu'ici? En flottant. D'accord. Que. J'en reste en voie. Tiens, prends ça, voyageur, et fiche-moi le camp. Et nous gagnons une lune, vous gagnez une lune, tout juste de aux cuisses de la lune. T'as peut-être des réponses, pour ma part, j'ai plus de questions. Du coup, on va pouvoir. Alors, je me dis, c'est un Dark World, du coup? Ouais, Dark World, Dark. Ah non, ah oui, Dark World, mais aussi audacieux que ce que je pensais. C'est bien, on va avoir un manque de pièces violettes abusées. Je vous jure. Vous gagnez une lune dans la chambre secrète du Sphinx. Mon Dieu, sérieusement, on va être en manque de lune? Honnêtement, je sais même pas comment va-t-on faire, mais bon. Alors, du coup. Alors, j'aimerais juste aller voir, du coup. Ça. Oh, cloche. Il faut bien voir quelque chose, j'imagine. Le soleil? Ne regarde pas le soleil, ça brûle les yeux. Honnêtement, je sais pas quoi regarder. Eh! Ah non, je pensais que c'était ça. Putain, il fait tout noir ici. Ta gueule! Non. Vraiment, vous êtes des bons. Là-bas, il y a une lune. Enfin, il y a des lunes de partout, j'ai l'impression. Bon, bref, ici, en tout cas, il a l'air de rien avoir. Bon, en fait, avec ça, c'est un peu bidon ici. Bon. C'est un petit peu bidon. Bah écoutez, on va rentrer dans la grotte, hein. On va rentrer dans la fameuse grotte lunaire. Ce qui mène tout en bas. D'accord. C'était pas prévu. Oh oui, j'avais oublié. Oh non, il fallait pas que je le lance maintenant. J'avais oublié ça. Ça allait être chiant. Ah bah du coup, par contre, on va pas se faire baiser cette fois-ci. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Oh mon Dieu. Ok. Ah, regardez. Elle est contrôlable, la statue de Bowser. Ta mère la chienne. Oh mon Dieu, attendez, il y a 50 000 choses à faire en fait. Se déplacer. Ah ah. L'autre, elle est contrôlable, j'imagine. La lune. La lune. Bien. De la lune, la lune, la lune. Parfait, vous gagnez une lune sous la statue de Bowser. De Bowser. Oui. Et celle-là, à votre avis, elle est pas contrôlable? Non. Voilà, pas l'air, en tout cas. Bien. Alors, du coup. Par contre, les amis, je veux juste baisser le son de ma télé parce que j'ai l'impression que je m'attends pas. J'ai l'impression que c'est un peu fort, en fait, dans ce niveau. Bah, 8. Alors, du coup. Ouais, du coup, par contre, ça me dit rien parce que. Honnêtement, mais je fais comment là? Il y a des squelettes rex. Des pièces violettes. Oh, des pièces violettes en package, j'avais oublié. Par contre, c'est grand comme un truc. J'avais oublié que c'était grand. Oh, ok, ok. Déjà, on a récupéré une lune ici. J'imagine que c'est un Dark World, putain de ta mère.
Apparemment, du coup, il faut tout explorer, j'imagine. Non? C'est ça? Il faut tout explorer? Ok. Mm-hmm. C'est bien, ça va être l'exploration en masse ici. En bas. Aïe! Putain, mais je pensais pas que ça allait me toucher. Oh, c'est con ce machin. Oh, la hitbox du machin, elle est abusée. C'est quoi cette hitbox de fou? Oh, la hitbox du Skullerex, elle est à chier, honnêtement. Elle a chier la hitbox du Skullerex. Ok. Ouais, mais tu fais comment pour monter après? C'est bien gentil, mais tu veux... attendez, peut-être on peut... Ah, attendez. On va peut-être pouvoir les prendre avec ça, non? Eh, Luke. Luke, il se tape. Putain, par contre, faut arriver à bien aviser. Ok. Là-bas, j'imagine que c'est pas atteignable, non? Non. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a ça? Yes. Bon, on récupère tout. Ok. Attendez. Vous savez quoi? On va y aller directement comme ça. Ça sera plus simple. Ça sera bien plus simple. Ok. Je vais pas me faire avoir parce que si là-bas ça brille et qu'il y a une lune. Non, il n'y a rien qui brille. Ah! Ah, d'accord. Il faut aller aussi là. Alors là, c'est vraiment la recherche. Hein. Ok. Ah non, attendez, peut-être on va pouvoir l'avoir comme ça. Ouais, bim. Bon, on peut prendre le Skullerex ici, vous me direz. Hop, merde. Bien. Ah, ta mère. Bon, au moins, ça c'est fait, on l'a pris. Allez, le Skullerex, maintenant, à ton tour. Alors, par contre, il faut y aller mollo. Hein. Il faut c'est un peu audacieux ici. Bon, ça me rassure parce qu'ici il y a des pièces violettes. Du coup, ça me rassure sur l'idée qu'on sera peut-être pas bloqué. Et what? Enfin, comment on peut y aller là, honnêtement? Bah peut-être par en haut, non? Ouais, peut-être par en haut. Hein, logique. Ah, ok. Ok, alors on me la fera pas. Clairement, on me la fera pas. Ah bah oui. Allez, bim. On va récupérer la seconde lune. Alors ça veut dire qu'il y a plus de... Peut-être, il est potentiellement possible d'avoir plus de 2 lunes dans ce Dark World. Ça sera peut-être un des rares Dark World avec 3 lunes. Vous gagnez l'une dans un trou de magma. Bien. Hop. Allez. Par contre, attendez, attendez, je vais descendre parce qu'il y avait des Bowser et le truc c'est que je n'ai pas envie de me faire avoir comme dans le pays de Bowser. Donc du coup, hop. Putain, arrête. Mais alors? Mais ta mère? Aïe. Ça fait mal, hein. Ok, y a rien. Ok, y a rien. Bah écoutez, on va du coup remonter, là c'est vraiment full exploration. J'essaie de me concentrer un petit peu les amis, c'est pour ça que le commentary n'est peut-être pas extra. J'essaie de me concentrer, honnêtement ça, là-bas le bloc de pierre ça me semble bizarre. Hein. Y a pas un petit Skullerex que je pourrais me prendre ici? Non, y a pas de petit Skullerex que je pourrais prendre. Parce que je serais tenté à sauter là-bas, parce que je sais pas s'il y a une lune. De toute façon il y aura pas le choix, il faut tester. Ah, il n'y a pas de lune. Du coup, on est bloqué. Quel con. D'accord. Et aïe. Allez, Mario Galaxy again. Bien. Boum. Ah là, je vous jure. Ah, on pop d'ici. Ah oui, quand même. Ah, le jeu n'est pas très très clément avec nous, quoi. Ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est que partie remise. Bon, en fait on vient de se rembourser
intégralement, donc il n'y a pas de souci. Tac, tac, tac. Boum. D'accord. Tu réagis quand? Honnêtement. Honnêtement, tu réagis quand? La manette, honnêtement, hein, je dis ça, j'ai rien. Bon. On va monter là-dessus. Et du coup, on va pouvoir activer la plateforme. Oh, par contre, là, ça va être audacieux. Ça va être audacieux. Ok. Aïe. Hop. Dégage. En fait, je sais pas s'il y a des pièces violettes dans les trucs. Aïe, hop. On essaye de tout détruire. Ou presque, en tout cas. Bon, il nous en manque un seul. J'espère pas qu'il y ait une lune là-bas, parce que, honnêtement, j'ai pas envie de tout recommencer. En plus, là, du coup, je peux même pas vous arrêter, parce que là, je peux pas quitter la vidéo, parce que... Ben là, je suis dans un Dark World, quoi. Donc, j'ai pas le choix de le faire intégralement. J'ai pas le choix de le faire intégralement. Oh mon dieu. Ah, c'est bon. Ah, bah ouais, mais tu fais comment, abruti. Ok. 38. Eh, oh putain, ça c'était chaud. Sa race. Ok, ça c'était chaud. Bon. Eh, hey, regardez ce qu'il y a là-bas. On est bien d'accord qu'il y a un truc là-bas. Moi, comment on faisait pour y aller? Alors là, c'est la bonne question. Hein. Peut-être avec une beatball. Ah, potion, peut-être avec un beatball. On va déjà tout finir de récupérer ici, comme ça au moins on n'aura pas à se soucier du reste. Mais peut-être avec une beatball là-bas. Non, doucement, doucement le Mario, doucement, doucement. Ah, parlant de beatball, ils sont là. Boum. On va tout défoncer. Ah, ok, d'accord. Ah, mais comment tu veux deviner? Oh, mais avouez, comment voulez-vous deviner? Genre, beatball peut tout détruire sur ce passage, sauf le truc qui tient miraculeusement debout. C'est con comme truc. Oh, je vous jure. Comment vous pouvez deviner? Comment tu veux que je devine? Je vous jure. Ah merde. Eh oui. Eh oui. Je m'en doutais. Et en plus, regardez, il y a des trucs dessus. Il y a une lune derrière. Oh, comment tu veux que je devine? Et comment tu veux que je prenne le billball? Je sais pas si elle est infinie, celle-là. Enfin, je sais pas si... Ah, peut-être grâce à ça, on va... Vu qu'elle a l'air de bien durer, on va peut-être pouvoir aller là-bas. Hein, à mon avis. À votre avis, elle dure longtemps? Regardez comme elle dure longtemps. Oui, c'est large faisable, les gens. En fait, elle explose qu'au contact, celle-là. Donc, je pense que c'est faisable d'aller là-bas. Il y a un coffre, on la voit d'ici. Vous gagnez une lune derrière le mur de protection. Donc, c'est grâce à ça qu'on va peut-être pouvoir aller à l'autre côté. Ouais, c'est peut-être grâce à les beatballs. Ouais, mais par contre, eux, ils se détruisent. Donc, ça me fait un peu chier, quoi. Parce que là, du coup, je suis un peu bloqué, là, en fait. Honnêtement, hein, je suis bloqué. Ah, attendez, j'ai rien dit. Ah, et il explose quand même. Mais j'ai l'impression que quand il... Sauf quand il est pas contrôlé. Ah, d'accord. D'accord, bah tu... Alors, tu meurs, vas-y. Derrière rien. Je rêve, c'est compliqué comme niveau. Je rêve, c'est très compliqué comme niveau. Honnêtement, je trouve que c'est galère, là. Il n'y a pas plus galère. Sachant qu'en plus, je dois aller là-bas. Wow, c'est galère. Là, on y était. À votre avis, derrière, il y a un truc ou pas? Ok.
On est d'accord, il y a rien. Ah non. Eh ben, I'm die. Aïe, putain, mais... Oh, ça peut me gonfler quand c'est pas de ta faute. Ça peut me gonfler. Du coup, à votre avis, c'est faisable d'aller là-bas? Ça me donne envie de le tenter, mais le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il me TP là-bas. Si je perds. Donc, voilà. De toute façon, y a pas le choix, il faut le tenter quand même. Allez, hop. Allez. Oui, c'est faisable. C'est faisable, les gens. Bien. Hey, vous gagnez une lune comme une balle jusqu'au coffre. Ah, comme une balle. Bill Ball, oui, d'accord. Donc, c'était bien ça qu'il fallait faire. Oh oui, on était les pieds là-bas. Oh là là. Oh, mais le bonheur. Oh, mais putain, c'est bien ça qu'il fallait faire en plus. Pour une fois que je fais une... Je suis assez intelligent, c'est bien, dans ce jeu. Parce que c'est pas évident pour ce jeu. Ok. À penser à récupérer les pièces violettes. À ne pas les oublier. Ok, y'a rien ici. Ok. Mon dieu, comme c'est hardcore. Oui, d'accord, c'est juste bon contre le chemin, en fait. Oui, d'accord. Oh putain. Que c'était audacieux. On pensait que peut-être derrière il y a un truc. Avec la bitball, on n'a pas été derrière. Bon, on vérifiera que quand on sera vraiment manque de lune. Ok. Ah oui, ici, on s'en souvient. Les trucs de mort là. Ok. Ouais, là il faut tout détruire. Faut voir s'il n'y a pas de lune ou de pièces violettes. Ok, il n'y a rien du tout ici. Hein. Allez. Bon. Du coup. Oulala. Que c'est ambitieux. On peut pas sauter avec ça. On peut pas sauter. C'est bien, on est à 30 minutes des vidéos. J'avais pas prévu de faire aussi long. Hein. Je vous jure. J'avais pas du tout prévu de faire aussi long. Ok, là-bas, il y a des pièces violettes. Par contre, on sera... D'accord, bah, du coup, on n'en aura loupé aucune. C'est bien. À votre avis, il faut... Ok. On n'en aura loupé aucune. Parce que les trois autres sont tout en haut de la chapelle. Souvenez-vous. Au sommet de la chapelle. Oh putain. Je suis en train de trembler, les amis. Ouh. Bon, par contre, toi, mon con, voilà. Il n'y a pas de lune avec ça. En train de tout fouiller. Ok, il n'y a rien. Bien. Ici, peut-être. Oh là là. Ouais, il n'y a rien. On dirait qu'il n'y a plus rien. Bon. Eh ben, en tout cas, on aura fait une bonne récolte ici. On est à 1, 2, 3... Ah, c'est pas fini. Ah oui, il y a elle. Non, elle a ripop. Oh non. Elle a ripop, les gens. C'est la multilune, souvenez-vous. On va quand même l'affronter, mais bon, ça fait des pièces, mais... Par contre, il faut se souvenir comment la rebattre, tranquillement. Et ne pas se foirer comme la dernière fois. Et ta mère. Et ben, j'ai pas pu sauter. Putain. Allez. Boum. Dans ta gueule. Superbe. Attention. Oui, on l'a eu. Allez. Boum. Dans sa gueule. Il nous manque une dernière fois. Il nous manque une toute dernière fois, les gens. Ah. Attention. Ouh là là, c'est chaud. Attention. On va attendre un peu. Et c'est parti. Voilà, c'est bon. Oh, c'est bon. Yes. Oh mon dieu. Oh, c'était chaud.
C'est fou, ce pays est juste fou. En tout cas, ce que je trouve énorme, imaginez que le Corona Mountain dans Mario Sunshine ressemble à ça. Vous imaginez comme ça peut être bien? Ça, c'est la jouissance, les gens. Je rêve que dans Mario Sunshine, que le Corona Mountain soit aussi audacieux que ça. Oh, c'est beau en plus, putain, mais y a rien à redire. En même temps, Mario Sunshine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est dans le titre. Sunshine. C'est Sunshine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y a rien à redire. Mm-hmm. J'espère de pas avoir loupé de l'une ou quoi. Je préfère regarder quand même autour. Hein, je préfère, c'est mieux. Et on dirait non. Bien. Bah écoutez les amis. On va entrer là-dedans. Donc j'imagine qu'on arrive tout en haut du coup. Bien. Eh oui, on arrive bien tout en haut. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je pense que c'est une très bonne... C'est un très bon moment pour s'arrêter. Voilà, je trouve que c'est un très bon moment pour s'arrêter. On aura récupéré en tout cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lunes aujourd'hui. C'est juste phénoménal. On aura en tout cas récupéré au moins... Il nous manque 11 lunes à avoir. Il nous manque 11 lunes ici à avoir. C'est juste fou. C'est juste fou, sachant que du coup, la prochaine fois, regardez ce qui nous attend. La chapelle. D'abord, on explorera autour. On fera peut-être la course des Koopas. Mais je pense qu'on la fera en dernier, dans le sens où je pense que d'abord, on va finir tout explorer ici. Et après, on fera la course de Koopas parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc, du coup, je préfère faire ça comme ça. Et du coup, écoutez, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, il nous manque juste 3 fameuses pièces violettes. Donc on récupérera tout ça en temps voulu, tout simplement. On récupérera ça en temps voulu. Et écoutez, on va se téléporter à l'Odyssée. Sachant que y a la lune ici, elle est peut-être pas récupérable à l'heure actuelle. Peut-être du coup on va pouvoir la récupérer avec ça. Les fameuses grenouilles lunaires qu'on en a même pas vu une. Alors j'espère qu'il y en a une vers là, parce que honnêtement, je sais pas comment va-t-on réussir à avoir du coup le reste. Donc du coup voilà, il nous manque 11 lunes à avoir. On ira chercher tout ça dans l'épisode prochain. Moi je vais tourner une dernière vidéo de ce jeu, comme ça moi ça me fait du contenu. Et ça me permet également de tourner entre des let's play qui vont aller entre ces vidéos là. Donc j'espère que le retour de Mario Odyssey d'ailleurs, de Mario Galaxy va vous plaire, enfin vous aura plu. Et du coup écoutez, on va déjà tout acheter dans le Crazy Cap, enfin on va acheter ce qu'on peut dans le Crazy Cap, hein, qu'on y est. Hop, on va tout acheter ici. Attendez. Alors, combinaison spatiale, tenue préférée de tous ceux qui fuient les pesanteurs de ce monde. Ça coûte 10 fragments d'étoiles, c'est bien ça que tu veux, j'achète. Et du coup, ouais, merci, plus tard. Du coup... Il nous manque juste le clair de lune, donc j'imagine que c'est un genre de souvenir aussi. Bon, voilà, au moins on aura fait ça. Moi, je m'arrête, on s'arrête ici pour cet épisode numéro 102. On se retrouvera du coup pour l'épisode 103. On explorera du coup cette partie-là, tout autour, et peut-être on fera, si on a le temps, la course Koopa, mais en tout cas on doit explorer en haut de la chapelle, on doit voir la cloche, j'imagine qu'on peut la faire sonner et on va pouvoir avoir une lune. Il faut vraiment en tout cas tout explorer ici. Ça va nous prendre honnêtement un peu de temps, hein. Ça va nous prendre du temps, c'est normal, et du coup on va s'arrêter là. Je suis content en tout cas d'avoir bien avancé aujourd'hui, c'était très amusant cet épisode, j'aime beaucoup. Il se peut que la fois prochaine qu'on réussisse, parce que il nous manque 11 lunes, donc du coup il se peut qu'on récupère les 11 lunes, enfin il nous manque 12 lunes, mais une qu'on peut pas récupérer à l'heure actuelle, mais il nous en manque 11, sinon il est possible peut-être qu'on finisse le pays de la lune pour le moment la prochaine fois, donc pour l'épisode 103. On aura en tout cas pas passé mal de temps ici en fait, hein. On aura vraiment été assez rapide, mais en tout cas on aurait été assez efficace. Voilà, on a eu un petit problème avec l'Athletic Tac là-bas, mais voilà, autre que ça, on a été efficace. Et puis après c'est pas fini parce que il nous manque 11 lunes, on fait en général 6 lunes en moyenne par épisode, c'est le quota de l'épisode. Honnêtement, il se peut que la fois prochaine, on continue ici. Hein.
Je préfère vous le dire. Et du coup, moi, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine pour la suite de l'épisode de Super Mario Odyssey. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey!